Alors, on passe à la partie suivante du cours. Donc, on va voir les attributs et les méthodes statiques. Donc, bien sûr, vous avez déjà vu les méthodes statiques et les attributs statiques au langage de programmation Java. Donc, on va voir juste la syntaxe. Et aussi, on va voir comment accéder à une donnée statique en PHP. Et donc, commençons par le principe des attributs et des méthodes statiques. Donc, généralement, des membres statiques. La déclaration ou bien leur déclaration doivent être précédées du mot-clé statique. Donc, vous devez commencer par le mot-clé statique. Alors, sont accessibles sans instance de la classe. C'est-à-dire, on peut accéder à une donnée statique sans créer un objet. Donc, sans utiliser un objet. Donc, directement en utilisant le nom de la classe. Car ce sont des données de la classe. Les attributs statiques ne sont pas accessibles via le nom d'un objet. Les attributs statiques ne sont pas accessibles via le nom d'un objet. Les valeurs des attributs sont partagées par toutes les instances de la classe, car la donnée est statique. Et donc, sa valeur est partagée par toutes les instances, c'est-à-dire par tous les objets de la classe. Par exemple, le cas de la classe étudiant. Un étudiant, par exemple, caractérisé par le nom, le prénom, caractérisé par son code et par son niveau, puisqu'on est en train de gérer des étudiants. Et donc, je peux considérer que le niveau est un attribut statique, est une donnée statique. Pourquoi donnée statique? Parce que le niveau concerne tous les étudiants de la classe, concerne tous les étudiants de la classe. Et donc, c'est-à-dire tous les étudiants vont partager la même valeur de l'attribut statique niveau. Alors, les méthodes sont accessibles depuis une instance. Donc, on peut accéder à une méthode statique depuis ou bien via un objet et aussi via le nom de la classe. Pour le cas des objets, pour le cas des attributs statiques, non. On peut accéder seulement via le nom de la classe et à l'intérieur de la classe, l'accès se fait aussi via le mot-clé self. Donc, après, on va voir ça. Alors, dans les méthodes statiques, $10 n'est pas disponible. Dans les méthodes statiques, $10 n'est pas disponible. C'est-à-dire, je ne peux pas utiliser $10 pour accéder à un attribut à l'intérieur d'une méthode statique. Alors, dans les méthodes statiques, on ne peut pas accéder aux attributs non statiques. On n'a pas le droit d'accéder aux attributs qui ne sont pas statiques à l'intérieur d'une méthode statique. Ça, c'est un exemple. Et donc, on peut créer notre propre exemple. Donc, on va essayer de créer, par exemple, une classe étudiant caractérisée par l'ID. Et l'ID est une donnée qui s'incrémente automatiquement. Donc, la valeur de l'attribut ID s'incrémente automatiquement. Et aussi caractérisée par le nom et le prénom. Alors, essayons la création de cette classe. Votre attention, s'il vous plaît. Je vais utiliser l'environnement NetBeans. Alors, nouveau projet, PHP, application, ou bien application PHP. Et donc, par exemple, gestion étudiant. Projet gestion étudiant. Et donc, je vais mettre le projet dans le dossier. Dans le dossier 3W. Alors, WAMP, et puis le dossier 3W. Et puis, gestion étudiant. Alors, next. Alors, finish. Donc, l'environnement nous a créé automatiquement le fichier index, index.php. Et donc, ça, c'est le dossier de notre application web. Je vais créer une classe PHP. Donc, PHP classe, classe étudiant. Votre attention, s'il vous plaît. Classe étudiant. Je vais déclarer des attributs, bien l'ensemble des attributs private. Donc, $ID, private, $nom, virgule, $prénom,
une donnée statique. Statique, par exemple, numéro, puisqu'on va incrémenter l'ID de façon automatique. Donc, l'ID est une donnée qui va s'incrémenter de façon automatique. Numéro. Alors, il faut l'initialiser. Donc, la valeur initiale de l'attribut numéro est 0. Maintenant, pour le constructeur. Alors, public function construct. Alors, la liste des paramètres. Quels sont les paramètres de ce constructeur? Juste le nom et le prénom. Pourquoi? Car l'ID s'incrémente automatiquement. Et donc, $nom, virgule, $prénom. Et l'ID s'incrémente automatiquement. Alors, $10 ID reçoit quoi? Plus $numéro, plus $numéro. Et pas, alors, plus $numéro. Ici, $numéro est une donnée statique. Cette donnée ne sera pas accessible directement. Donc, il va considérer que $num est une variable locale. Il va la considérer comme étant une variable locale. Et donc, il faut y accéder via soit self, ou bien via le nom de la classe, ou bien via le nom de la classe. Alors, via le nom de la classe, donc étudiant, $num. Et si j'ai commencé par l'incrémentation, j'ai priorisé l'incrémentation. Ça, il s'agit ici d'une pré-incrémentation. Donc, on va incrémenter d'abord et puis on va affecter voilà, le résultat à l'attribut $ID qui est accessible via $10. Après $10, nom reçoit $nom. Et puis $10, prénom reçoit $prénom. Reçoit $prénom. Je vais développer une méthode public function affichée. Affichée qui permet d'afficher l'ID, le nom et le prénom. Et donc echo l'ID. $10 ID.pr. Le nom, le prénom. Le nom, le prénom. Alors, est-ce qu'on peut rendre la méthode affichée statique? Est-ce qu'on a le droit de rendre la méthode affichée statique? Comment? Est-ce qu'on peut rendre la méthode affichée statique? C'est-à-dire méthode de la classe. Est-ce que c'est possible? Oui? Ah, il y a un constructeur. Le constructeur existe. Nous allons instancier la classe, bien sûr, car il y a un constructeur. Donc, on va accéder à la méthode statique de l'extérieur, via, que ce soit via l'objet ou bien via le nom de la classe directement. C'est-à-dire, donc vous dites qu'on a le droit de rendre la méthode affichée statique. Alors, public, statique. Function affichée. Donc, afficher est une méthode statique. Ça signifie quoi? Ça signifie que $10, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
La méthode affichée est une méthode statique. Ça signifie que $10 n'est pas disponible. $10 n'est pas disponible. $10 n'existe pas dans les méthodes statiques. Et donc, nous, ici, à l'intérieur de la méthode, nous avons accédé aux attributs via $10. Or, $10 n'est pas disponible. Et donc, est-ce que c'est possible d'afficher self ici? Mais l'ID n'est pas statique. Oui? Afficher où? À l'intérieur? Comment ça, à l'intérieur du constructeur? On affiche ici directement? Moi, j'ai dit une méthode statique. On l'affiche directement. Alors, ma question, est-ce que c'est possible d'utiliser afficher comme étant une méthode statique? Ce n'est pas possible. De toute façon, afficher est une méthode qui permet d'afficher les valeurs des attributs qui ne sont pas statiques. Qui ne sont pas statiques. Alors si le nom, oui. Voilà. Si les données, si toutes les données sont statiques, on peut les afficher à l'intérieur de la méthode statique. Car l'accès sera via le nom de la classe ou bien via le mot-clé self. Mais puisque les données ne sont pas statiques, on ne peut pas. On ne peut pas afficher les attributs ou bien les caractéristiques d'un étudiant en utilisant une méthode statique. Car l'accès aux attributs n'est pas autorisé. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Car num est une donnée statique. Avec l'initialisation de quoi? De $nom et $prénom? Non, même si. S'ils sont statiques. Non. Là, on ne va pas fonctionner. On ne peut pas accéder à l'intérieur de la méthode statique aux attributs qui ne sont pas statiques. Oui, bien sûr, alors on ne peut pas. Et où est le colombe statique? Voilà. Oh oui. Oh oui. 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 Là, on a dit le cas de la classe singleton. Donc, une méthode qui permet de renvoyer l'instance, et via l'instance, on peut accéder aux attributs. Ça, c'est possible. Et donc, il faut une instance. Il faut une instance. Il faut une instance, c'est-à-dire, on crée l'instance à l'intérieur de la méthode statique, et puis, via l'instance, on peut accéder aux attributs. Ça, c'est possible, bien sûr. Et on crée un objet à l'intérieur de la méthode statique. Et puis, l'accès aux attributs. Via l'objet créé, ça c'est possible. Mais via $10, non, ce n'est pas possible. Alors, donc, effaçons statique. On va ajouter une autre méthode, donc public statique function message. Alors, écho, je suis l'étudiant numéro. Alors, comment peut-on afficher le numéro de l'étudiant créé? Oui, donc, point, self, .. $num. Donc, bien sûr, on a l'ID, mais l'ID n'est pas statique. On ne peut pas accéder à l'ID à l'intérieur d'une méthode statique. Car $10 n'est pas disponible. Donc maintenant, la méthode message est statique. Afficher n'est pas statique. C'est une méthode
qui est accessible via un objet. Alors, on passe à index. À l'intérieur de index, je vais commencer par l'inclusion de la classe du fichier étudiant.php. Alors, include étudiant.php. Et puis, $E reçoit new étudiant. Alors, le nom, par exemple, Ahmadi. Le prénom, par exemple, Anas. Et puis, on va déclencher l'appel à la méthode affichée. Donc, $E, affiché. Et puis, echo PR, un retour à la ligne. PR. Et puis, $E message. $E message. Oui? Là, ça va fonctionner. Une méthode statique est accessible via un objet. Est accessible via l'objet et via le nom et aussi via le nom de la classe. Alors, on va faire un test. Alors, donc ici, gestion étudiant, ID 1, le nom Ahmadi, le prénom Anas. On créera un autre objet. Alors, new étudiant, donc par exemple, Rasmus, Xavier, on vérifie maintenant, actualiser, alors il faut un retour à la ligne. Donc ici, par exemple, un BR. ID 2, le nom Rasmus, prénom Xavier, je suis l'étudiant numéro 2. Alors ici, l'accès via l'objet. Il y a la possibilité d'accéder à la méthode statique via le nom de la classe. Donc étudiant, ; message. On va vérifier. Actualiser, voilà. Donc, il y a la possibilité d'accéder à la méthode statique soit via le nom, soit via l'objet, soit via le nom de la classe. Je reviens à la classe. Je vais rendre le numéro public, le numéro statique. Regardez, la donnée statique. Alors, public. Public statique, $numéro. Reçoit 0. Et donc, c'est-à-dire le numéro sera accessible de l'extérieur de la classe. Sera accessible de l'extérieur de la classe. Alors, on vérifie. Je prends ce message. Alors, je vais accéder à un numéro directement, sans passer par la méthode message. Et que je suis l'étudiant numéro. Est-ce qu'on a le droit d'accéder à l'attribut statique $numéro via le mot-clé self? Ce n'est pas possible. Donc, je dois remplacer self par étudiant. Est-ce que c'est possible d'accéder à $num via $E, via la référence $E, comme le cas de la méthode message? Car j'ai déjà accédé à la méthode message via l'objet, via la référence $E. Est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible pour les méthodes, il n'est pas possible, d'après bien sûr, donc d'après la documentation. C'est possible pour les méthodes et n'est pas possible pour les objets. On va vérifier. Et bien sûr, ça reste aussi lié à la version de PHP. On fait un test.
Alors, $1 num, sachant que num est public, actualisé. Ce n'est pas possible, voyez? Mais c'est possible pour les méthodes statiques. Pour les données statiques, non. Et donc ici, il faut un accès via le nom de la classe. Étudiant, :, $num. On vérifie. Voilà, je suis l'étudiant numéro 1. Et donc l'accès à un attribut statique de l'extérieur de la classe doit être via le nom de la classe. Mais bien sûr, l'attribut doit être public. Sinon, il ne sera pas accessible. Alors, je reviens à la classe étudiant. Alors, si on cherche à interdire l'accès au constructeur de l'extérieur de la classe, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le rendre privé. Donc, pour interdire l'accès au constructeur de l'extérieur de la classe, on doit le rendre privé. Alors, le constructeur est privé. Alors, est-ce qu'on a le droit de créer des objets maintenant avec un constructeur privé? Non, le constructeur est inaccessible. On vérifie. Voilà. Avec un constructeur privé, on ne peut pas créer des objets de l'extérieur de la classe. Mais à l'intérieur de la classe, je peux créer des objets. Alors, on vérifie. Donc, regardez. Donc, je vais effacer ces deux instructions qui nécessitent l'accès au constructeur. Effacer aussi l'accès à la méthode affichée. Alors maintenant, quel sera le résultat d'exécution? Donc, je suis l'étudiant numéro. Ici, quoi? 0. D'accord? Ici, étudiant, :, message. Il va afficher aussi, je suis l'étudiant, 0. On vérifie. Je suis l'étudiant numéro 0, je suis l'étudiant numéro 0. Pourquoi il a affiché « Je suis l'étudiant numéro 0 » Car aucun objet n'est créé. On doit créer un objet. Comment peut-on créer un objet en utilisant un constructeur privé? Il faut le créer à l'intérieur de la classe. Alors, le créer à l'intérieur de la classe, à l'intérieur d'une méthode, c'est-à-dire, on le crée à l'intérieur de afficher. Par exemple, regardez s'il vous plaît. $E reçoit new étudiant. Elle a mis, par exemple, Sarah. Est-ce que c'est possible? La création de l'objet à l'intérieur de la méthode affichée. Oui. Le constructeur est accessible car je suis à l'intérieur de la classe et affiche une méthode de la classe. Alors, et donc ici, je dois remplacer $10 par $E. Alors maintenant, cette fois, et donc comment peut-on déclencher l'appel à la méthode affichée? Enfin, il n'est pas statique. Est-ce que je peux accéder à la méthode affichée de l'extérieur de la classe? Il faut un objet. De l'extérieur, non, je ne peux pas créer un objet à l'extérieur de la classe. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, l'appel sans créer un objet? Et ça, c'est où? À l'intérieur de index?
question à l'intérieur de l'index. Comment? Étudiant. Dollar E, comme ça. Point, comme ça. Ce n'est pas possible. Oui. Un constructeur. Comment? Comment créer un constructeur par défaut? Comment? On le crée. Comment? Il existe déjà. Le constructeur par défaut n'existe pas. On crée un objet à l'aide du constructeur par défaut. Regarde, $E reçoit new étudiant. Est-ce que le constructeur par défaut est disponible? Regardez, on va vérifier. Le constructeur par défaut n'existe pas. Quand est-ce que le constructeur par défaut se génère de façon automatique? Si aucun constructeur n'est développé. Si aucun constructeur n'est développé, puisque nous avons déjà développé un constructeur, voilà, il faut le développer aussi de façon explicite. Oui? C'est un choix. C'est de rendre l'accès au constructeur interdit. On cherche à interdire l'accès au constructeur de l'extérieur de la classe. Et on cherche un moyen d'y accéder. Et donc, vous m'avez proposé d'y accéder via une méthode. Et donc, j'ai déjà créé l'objet à l'intérieur de la méthode. Mais la méthode, il faut une autre méthode. Sinon, il faut la rendre statique. Alors, on va rendre la méthode statique. Alors, je vais rendre la méthode affichée statique. Donc, public, statique. Public, statique, function, affichée. Maintenant, affichée statique. C'est-à-dire, je peux créer un objet à l'intérieur de la méthode affichée. Puis après, nous allons afficher l'ensemble des informations via l'objet créé. Revenons maintenant à index. Et donc ici, étudiant. ... affiché. Alors, on lance l'exécution. Quel sera le résultat d'exécution? Donc, 1 à LMI Sarah. Voilà, 1 à LMI Sarah. Et donc, l'accès au constructeur est interdit, bien sûr, de l'extérieur de la classe. Nous avons créé l'objet à l'intérieur d'une méthode qui est développée à l'intérieur de la classe étudiant. Pour accéder à cette méthode de l'extérieur, cette méthode doit devenir statique. Et donc, avec afficher statique, nous allons créer un objet. Mais comment peut-on consommer, par exemple, les autres méthodes de la classe? Par exemple, la méthode message. La méthode message n'est pas statique. Est-ce que je peux accéder à un message de l'extérieur de la classe? Je ne peux pas. Alors, donc, je vais prendre ici alors, ça c'est affiché par exemple. Ça c'est la méthode affichée. Et ça, c'est la méthode, par exemple, getInstance. La méthode getInstance. Et ça, c'est affiché. Donc, getInstance. Et puis, et ça, c'est affiché. Oh,
Regardez s'il vous plaît. Donc, on va essayer avec ce code. Alors, ici, $1 n'existe pas. Et donc, $10. Car $1 n'existe pas. Donc, on va vérifier. On va trouver un moyen. On va essayer d'accéder à afficher de l'extérieur de la classe. Et donc, ici, nous avons créé un objet à l'intérieur de la méthode statique, à l'intérieur de la méthode statique getInstance. Je vais retourner l'objet créé, return $E. Et donc, quel est le rôle de la méthode getInstance? C'est une méthode qui permet de créer une instance, tout simplement. Est-ce que cette méthode est accessible de l'extérieur de la classe? Oui, elle est accessible via le nom de la classe. Donc, au lieu d'utiliser le constructeur pour créer un objet à l'extérieur de la classe, on va utiliser la méthode getInstance. Car la méthode getInstance est une méthode qui est définie à l'intérieur de la classe. Et donc, cette méthode a le droit d'accéder au constructeur privé. Revenons à index. Maintenant, pour avoir un objet, $E. Donc, $E reçoit étudiant. ... getInstance. Et la méthode getInstance renvoie l'objet créé. Maintenant, est-ce qu'on a le droit d'accéder à la méthode affichée via l'objet référencé par $E? Est-ce qu'on a le droit? On a le droit. Donc, $E est une référence qui référence l'objet renvoyé par la méthode getInstance. On va utiliser cette référence pour accéder à la méthode affichée, car affichée, ce n'est pas une méthode statique. La méthode affichée doit être accessible via l'objet et pas via la classe. Quelle variable à l'intérieur de getInstance? Si vous voulez modifier. Des paramètres. Oui, bien sûr. Oui, si vous voulez. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Donc, il a proposé d'ajouter des paramètres ici à la méthode getInstance. Et donc, $nom. Bien sûr, c'est pour éviter de créer toujours l'objet dont le nom est LMI et le prénom Sarah. Et donc, comme ça, nous allons avoir le droit de créer plusieurs objets ayant des valeurs différentes pour les attributs nom et prénom. Donc, virgule dollar prénom. Et donc, ici, au lieu de LMI, $nom, $prénom. Alors, à l'intérieur maintenant de index, il faut passer des valeurs pour les paramètres. Par exemple, Slimani, Anas. Alors, on vérifie maintenant. Actualiser. Je suis l'étudiant numéro 0, je suis l'étudiant numéro 1. Et donc, je suis l'étudiant numéro 0. Ça, c'est grâce à l'utilisation de cette instruction. Et donc, je vais effacer cette ligne de code. Actualiser. Donc, je suis l'étudiant numéro 1, ID 1, le nom Slimani, le prénom Anas. Et donc, nous avons résolu le problème d'accès au constructeur privé. Maintenant, la question qui se pose, comment interdire la création de plusieurs objets? Donc, on cherche à créer un seul objet qui permet de compter le nombre d'objets créés. Oui. Voilà. D'accord. Donc, elle a proposé de déclarer une variable statique initialisée à 0, par exemple,
lors de la création du premier objet, cette donnée statique va prendre la valeur 1. Et donc, la prochaine fois, ou bien lors de la création de l'objet, on va toujours vérifier la valeur de la donnée statique. Si sa valeur est 0, on crée l'objet. Sinon, on interdit la création de l'objet. Et comme ça, nous allons avoir un seul objet. Alors, on applique cette technique. Donc, votre collègue nous a proposé d'ajouter une donnée statique, dollar par exemple NBR initialisé à 0. Dollar NBR initialisé à 0, le nombre d'objets, le nombre d'instances. Oui? Ou bien du type étudiant et l'initialisation à null par exemple. Alors, et donc ici, if self 2.2. dollar NBR égale à 0. Donc ici, dollar E reçoit new étudiant et puis nous allons renvoyer. Donc ici, on peut par exemple initialiser dollar E à nul. Et donc, dollar E reçoit new étudiant. Et puis, retour, dollar E. Alors, il y a un autre moyen. Bah, bien sûr, pour éviter l'initialisation de dollar E à nul, parce qu'à chaque appel, nous allons initialiser cette référence avec nul. Et il y a la possibilité. Oui? Non, ce n'est pas à l'intérieur du constructeur. Alors, il y a la possibilité d'utiliser, par exemple, une donnée de type, par exemple, étudiant. Et donc, sans spécifier le type. Donc, directement, private static, $ETD reçoit zéro, reçoit nul. Reçoit nul. Alors, if self, $ETD égale à nul. Donc, dollar ETD reçoit new étudiant. Et puis après, retourne dollar ETD. Et donc, si la donnée statique dollar ETD est différente de nul, on va passer directement à l'instruction retour. On ne va pas créer l'objet. Quand est-ce qu'on va créer l'objet? Si dollar ETD égale à nul. Et donc, si vous voulez vérifier, on va ici afficher, un message echo, je suis le constructeur. Alors, on fait un test. Dollar E étudiant. 2.2. get instance. Actualiser. Donc, je suis le constructeur, je suis l'étudiant numéro 1 et ainsi de suite. On va essayer maintenant de créer une autre instance. Alors, dollar E étudiant. Get instance. Cette fois, Ahmadi, par exemple. Sarah. C'est-à-dire, si le deuxième objet est créé, on doit avoir, lors de l'affichage, Ahmadi Sarah, au lieu de Slimani Anas. Alors, on vérifie. Actualiser. Je suis le constructeur, je suis le constructeur, je suis l'étudiant numéro 2, ID 2, le nom Ahmadi, le prénom et Sarah. Donc là, il y avait un accès à la méthode getInstance pour créer un autre objet. Et donc, le deuxième objet est créé. Donc, on va continuer après la pause. Allez, prenez une pause de 15 minutes et on continue. Alors.
Donc, ici, nous avons créé deux objets. Et donc, normalement, il doit nous afficher seulement des informations sur le premier objet créé. Car nous avons réalisé une classe qui permet de créer un seul objet. Et donc, c'est-à-dire, lors de l'affichage, il faut afficher seulement ou bien toujours des informations sur le premier objet créé. Or, d'après le résultat d'affichage, il nous a donné des informations sur le dernier objet créé. Alors, on va revenir au script. Où est-ce qu'il y a le problème ici? Le problème, bien sûr, est à l'intérieur de la méthode statique getInstance. Alors, où est le problème? On a déjà fait un test. If self $ETD égale à nul. Où est-ce qu'il y a le problème? Donc là, il faut self $ETD. C'est bon. Donc, il faut self $ETD et pas $ETD reçoit new. Self $ETD. Et puis, il faut retourner quoi? Self aussi. La donnée statique. Self. Alors, on fait un test maintenant. D'abord, revenons à index. Nous avons créé comme premier objet Slimani Anas, deuxième objet Ahmed et Sarah. Et donc, lors de l'affichage, on doit avoir Slimani Anas et pas Ahmed et Sarah, puisque la classe est singleton. Alors, actualiser. Je suis le constructeur. Je suis l'étudiant numéro 1, toujours. Et puis, ID, 1, le nom Slimani et le prénom Anas. On peut ajouter une autre ligne de code pour créer un troisième objet. Par exemple, Amami, Alain. On teste, actualiser, il n'y a rien. Donc, il nous affiche toujours des informations sur le premier objet. C'est bon? Et donc, c'est une classe qui permet d'interdire la création de plusieurs objets. Et c'est une classe qui permet aussi d'interdire l'accès à un constructeur, au constructeur de la classe, car le constructeur est privé. Et donc, c'est ce que vous allez faire, vous ici. Donc, d'après l'énoncé, développer une classe PHP qui servira dans la suite de l'exercice pour établir la connexion. Et donc, c'est une classe qui permet d'établir la connexion avec la base de données. Les paramètres du constructeur seront au nombre de 4. Et donc, vous devez développer un constructeur qui a des paramètres. Aussi, l'accès au constructeur doit être unique, une seule fois, et interdit de l'extérieur de la classe. Et donc, vous devez créer une méthode statique, getInstance, et la méthode statique, ou bien une méthode statique connection, méthode statique connection, puisqu'il s'agit de la classe connexion. Ou bien méthode statique getConnection. Et cette méthode doit avoir aussi 4 paramètres, qui sont le serveur, l'utilisateur, le mot de passe et la base de données. C'est bon? Oui, la base de données, c'est gestion courrier. Oui, donc au niveau de la méthode statique, initialiser les paramètres avec des valeurs. Les valeurs par défaut. Et donc, les valeurs par défaut sont localhost, root, le mot de passe, donc une chaîne de caractères vide, et pour la base de données gestion courrier. Allez-y.